Vous savez, tant que tu ne sais pas qui tu es, tu auras les petits challenges. Tant que tu ne commences pas à te battre, tu auras les petits challenges. Tant que tu ne... Tu vois, quand tu dormais sur le canapé de ta cousine, là. Tu avais des petits problèmes. Ton corps ne te dérangeait pas. Ton pied ne faisait pas mal. Tu ne payais pas. Non, 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 non. Tu n'avais. Parce que tu étais dans un petit chiffre d'affaires. Tu étais dans une petite situation. On te regardait, on se moquait même de toi. Tant que ta vie était toujours bloquée là, depuis les années que tu as fait en Bengala, tu n'avais pas les papiers, non. Tu n'avais pas prévu d'aller aider un orphelinat quelque part, non. Il n'y avait aucune vie quelque part sur la terre qui était touchée, impactée à cause de toi. L'ennemi te laissait tranquille. En fait, tu pensais que tu avais les problèmes, mais tu n'avais pas les problèmes. Mais tu avais seulement les faux problèmes, genre, ouais, je vais manger quoi? Oui, il y a la fête, le mariage de ma cousine samedi. J'ai envie de porter tel habit. C'était ça tes problèmes. Commence maintenant, ah, ok, ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Régulièrement, tu as au moins par mois, tu as au moins 10 personnes qui comptent sur toi. Par mois. Tu as commencé à avoir les projets que, oh, je viens en décembre pour construire, pour faire la fondation de l'orphelinat. Que, oh, je vais venir arranger l'église. Oh, écoutez, dans la Bible. Il y a le centenier là qui a envoyé qu'on guérisse son je ne sais pas si c'est son fils ou bien un de ses officiers. Les hommes du village ont témoigné que l'homme, si c'est un bon mari, papa, je sais pas, c'est une bonne personne. Il a construit les églises dans notre village. Vous avez commencé à voir les gros projets. Bonjour la reine Marie. Vous avez commencé à programmer comment vous allez partir dans votre village, creuser le forage pour que ça aide les gens. Ah, vous voyez, les forces du mal sont en train de travailler jour et nuit pour détruire, tuer les gens, voler. Toi, tu commences à concevoir comment tu as fait les campagnes. Où on va venir dans les villages avec les docteurs pour soigner les enfants. Tu programmes déjà comment tu vas construire l'hôpital dans ton village où il y a trop les mortalités infantiles. Dieu connaît vos projets. Seigneur, je sème ceci pour que demain tu me permettes de faire ça. Mais Seigneur, tu as déjà commencé à semer pour les grands projets que tu vas faire en 2024 pour aider les gens. Et tu as déjà commencé là, 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 chaque mois. Il te dit que chaque mois, il y a au moins 10 orphelins qui mangent sur ta tête. Que tu restes comme ça, là, tu envoies 20 000, 50 000, je ne sais pas comment. 2 fois par mois, tu envoies 25 000. Je fais le direct, c'est pour te prévenir. Tu as compris, non? Tu commences à devenir une menace réelle pour le royaume des ténèbres. Tu me suis?